Bonjour à tous, alors comme prévu aujourd'hui je vous présente l'angle de jumelage que j'ai monté sur le croissant. Alors j'ai monté un jumelage intégral, c'est-à-dire sur les 4 roues. Alors les mêmes dimensions que les montres d'origine. À l'arrière c'est 340-85-46. Et à l'avant, c'est 340-85-28. Alors, pourquoi un tel espace entre les deux pneus? Alors, cet espace va permettre de faire passer un rang d'ail. L'ail, chez moi, est travaillé en 7 rangs. 3 rangs sous le tracteur et 2 rangs de chaque côté. Donc, le pneu va passer à peu près à 10 cm de la rangée d'ail, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pourquoi avoir monté un jumelage? Pour ceux qui connaissent mon exploitation, vous savez que je fais beaucoup de cultures spécifiques qui m'oblige à avoir des pneus étroits. C'est pour ça que j'ai choisi du 340. Et l'avantage du jumelage pour l'ail, c'est que je vais pouvoir, au lieu de porter le tracteur sur 4 roues, je vais porter le tracteur sur 8 roues tout en laissant passer un rang d'ail. Et je vais limiter le tassement du sol, donc je vais améliorer le développement de l'ail. Alors, comment est fait le jumelage? Alors, le jumelage, c'est pas compliqué. C'est un pneu qui est sur une jante, au milieu, c'est une virole qui fait le raccord entre les deux jantes. Donc la virole, on la voit bien, elle vient s'emboîter dans la jambe du tracteur. Et ensuite, le jumelage est tenu par des tirants, 4 tirants. Donc c'est très rapide à monter, moins de 10 minutes par roue. Alors le tracteur, comme vous le voyez là, dans la configuration ail, avec un espace de un peu plus de 20 cm entre chaque roue, il fait une largeur hors tout de 3,40 m. Que dit la réglementation? La réglementation dit que jusqu'à 3 mètres, on peut circuler librement sur la route. De 3 mètres à 3,50 m, on passe en convoi agricole. C'est-à-dire qu'il va falloir que je mette un panneau à l'avant, un panneau à l'arrière, convoi agricole, ainsi que des feux de gabarit, et je n'aurai pas besoin d'être escorté par un véhicule escorte. Par contre, si j'avais dépassé 3,50 m, là, il faudrait un véhicule escorte. La particularité de mon jumelage, c'est que j'ai choisi deux jeux de viroles différentes. C'est-à-dire que la configuration AI 3,40 m hors tout, et j'ai une configuration si je veux passer l'herse rotative ou le rotavator en 3 mètres. C'est-à-dire que je mets des viroles qui sont plus étroites, les pneus sont beaucoup plus rapprochés, mon tracteur fait 3 mètres hors tout. La problématique, ça a été les tirants, parce que qui dit deux jeux de viroles dit que les tirants ne doivent pas faire la même longueur. Alors j'ai des tirants longs et des tirants courts selon les viroles que je monte. Alors bien sûr, les tirants qui dépassent à l'avant, il faut que je les coupe. Je ne vais pas laisser les tirants dépasser. Et à l'arrière, ils ne dépassent pas. Là, ça va être un coup de disqueuse. Alors, que va m'apporter ce jumelage? Alors, c'est-à-dire qu'au lieu de répartir le poids du tracteur plus outil sur 4 roues, je répartis le poids du tracteur plus outil sur 8 roues. Je peux donc baisser la pression dans les pneus. Et qui dit baisser la pression et augmenter le nombre de roues, dit limiter le tassement du sol. Donc, bien sûr, ça a des avantages et des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est la largeur sur la route, 3,40 m. C'est pas évident de circuler. Et le deuxième inconvénient, ça va être qu'on va être obligé de limiter le rayon de braquage du tracteur en modifiant les butées. Quand je serai jumelé, le tracteur braquera moins que lorsqu'il est simple. Et ça, je vais vous faire voir tout de suite le braquage du tracteur en roue jumelée. Pourquoi on est obligé de limiter le rayon de braquage? Tout simplement parce qu'ayant une largeur plus importante à l'avant, la deuxième roue pourrait venir toucher le tracteur. Donc de ce côté, c'est la batterie et de l'autre côté, c'est le réservoir. Alors comment on règle les butées? C'est tout simple. On a un boulon, un contre-écrou à l'extérieur et à l'intérieur du pont. Ce sont eux qui vont définir l'angle de braquage. Et là, on peut voir que la butée intérieure droite touche en même temps que l'extérieur gauche. Et quand on braque dans l'autre sens, c'est l'inverse. Alors ce jumelage, comme vous l'avez compris, est assez polyvalent. Et la grande nouveauté, c'est qu'il va pouvoir aller sur mes deux tracteurs. Parce que pour ceux qui ne savent pas encore, le 312 va être grand frère. Le petit nouveau, le 313, arrive au mois de février en remplacement du 210. Et donc,
le jumelage va pouvoir s'adapter sur l'un tracteur ou sur l'autre tracteur. Comme vous en êtes rendu compte, dans cette vidéo, la petite nouveauté, c'est le drone. Donc un grand merci à mes donateurs sur Tipeee qui ont contribué à l'achat de celui-ci. Si vous souhaitez faire comme eux, n'hésitez pas à cliquer ici. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de s'y mettre les gars. Vous cliquez là. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!